Salut la gang, je vais vous laisser le temps de vous connecter un petit peu. En même temps, vous allez pouvoir admirer Cassiopée. Hey, vous voyez bien que, regardez, c'est pas nouveau hein, ce que j'ai là. Ben, écoute, j'ai décidé que ce soir, c'était terminé pour mon mini. On allait finir ça pour que je puisse y aller avec la nouveauté prochainement. Dites-moi bonjour quand vous êtes arrivés. Salut Amélie. J'ai une petite voix. Salut Brigitte, j'ai une petite voix d'une petite fille fatiguée encore. Je pense que mes journées sont vraiment intenses. Et pourtant, c'est pas si pire, mais c'est juste, je sais pas, la fatigue qui rentre dedans. Salut Nicole, salut Émilie, salut Lise. Oui, ça va Lise, je vous ai oublié. Toi et Joanne, j'ai oublié d'aller poster vos trucs maudits TDAH, fait que je vais poster ça demain. J'avais mis ça de côté dans le bac pour pas l'oublier, puis je l'ai oublié. oui, salut Sarah. Oui, la minute est toujours là, toujours à l'écoute. Donc, celle qui était pas là quand j'ai commencé, ben c'est terminé. Non, non. Ah, ah, me trouve drôle. C'est bon ça. En fait, comme ça fait vraiment longtemps là, que j'ai... salut Brigitte. Ça fait longtemps que j'ai pas... voyons, ça fait longtemps que je l'ai commencé, cet magnifique album-là, fait que je vais le finir. Fait que là, je vous avertis, je vais perdre mes mots, je vais être mêlée. Mais, savez-vous quoi? C'est le fun, c'est heureux. Fait que je vais m'amuser à faire un peu d'aquarelle, donc je vais mettre un peu de gesso clear avant sur cette partie-là. Les autres parties sont très, très colorées, je pourrais en mettre un peu là-dessus, par exemple. Je vais m'amuser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Caroline. Bonjour Joanne. Salut Diane. J'ai peur d'en oublier. En tout cas, dites-moi bonjour, mais je les relis après. Donc, c'est ça. C'est un gesso médium acrylique transparent. C'est la même chose qu'un gesso transparent. Fait que là, j'en mets vraiment partout parce que je veux m'amuser à faire de l'aquarelle. Ça, tant qu'à finir ça, je vais faire un peu de ce que vous me demandez. Comme c'est la fin, ben, je peux me donner. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Lorraine, salut Marie, salut Marie-Lou. J'ai-tu oublié quelqu'un? Salut Lucie. Là, je suis désolée, mon chum, il parle en haut. Il est en train de finir un cours de Kung Fu. Hein? On est technologique ici. Mais comme d'habitude, je m'excuse, puis d'habitude, vous l'entendez pas. Fait que ça va être la même affaire, d'après moi. Comment ça va, vous autres? Avez-vous des grosses journées? C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont encore en confinement hein, dans gang qui écoute. Moi, mettons que hier, ils ont annoncé que la masso reprenait. Donc, il faut que je suive les formations pour voir si tout est correct. Après ça, à l'école, mais ben, veut pas, c'est des journées quand même. Ça se passe bien, mais c'est des journées fatigantes. Puis je surveille beaucoup à l'extérieur, donc au gros soleil. Fait que je pense que mon corps réagit aussi. Cassiopée, elle veut venir faire de l'aquarelle. Donc, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, mes die-cuts, ils se font attaquer par Cassiopée. C'est ça. Fait que, il y en a aussi qui sont éducatrices là-dedans, hein, dans la gang qui est là. Donc, éducatrices en service de garde aussi. Vous êtes énormément sollicitées. Ça n'arrête pas. On fait juste désinfecter. Salut Anne-Sophie. On est fatigué. On a installé, oui, mais c'est ça, travailler dehors aussi, ça fatigue. Hein. Donc, voilà. Fait que. C'est ça, ma petite voix. Je peux pas prendre de café. Cassiopée est là 5 mois, je pense. Je peux pas prendre de café parce que je fais un défi 30 jours. Puis dans aujourd'hui, ben j'en fais 4, en fait. Puis aujourd'hui, il est écrit « me coucher tôt ». Fait que j'ai pas pris de café. Mais tantôt, je dormais quasiment sur le divan. Fait que ça, c'est très drôle. Donc... Je vais sécher un petit peu. Ah, mais quand le mari commence à travailler, on est correct. Parce que, hein, ils sont brûlants, ces hommes. Oui, en CHSLD, effectivement, Maryse, ça doit être quelque chose. Mais bon, c'est pas grave, j'étais avec vous.
Je suis pas là pour me plaindre. Je vous dis juste que c'est ça qui fait que j'ai une petite voix. Bon, d'accord. Fait que là, c'est les dernières pages doubles. Là, je veux faire de l'aquarelle. Je vais y aller avec une belle couleur. Je pense que je vais y aller avec un peu de rose ou du petit bleu, mais je pense que j'irai plus avec du rose. Fait que j'allais me chercher des poudres. Je vais prendre les poudres de... J'allais dire, Lindy. Je vais prendre les poudres de Fabrica. Oh non, pour vrai? COVID. Oh, Caroline, c'est donc bien triste. J'espère qu'il va bien, pareil. Que sa condition va bien. C'est jamais plaisant savoir ça. J'ai pas le goût, moi, que ça m'arrive, effectivement. Désolée. Si je vais avec elle, c'est peut-être un petit peu rose fort. Je vais regarder les endos. C'est sûr que comme c'est de l'aquarelle, ça va être plus bas. En tout cas, Caroline, si on peut t'égayer un petit moment dans ta journée, j'imagine qu'il doit être isolé. Toi, tu as dû être arrêté de travailler aussi. C'est jamais plaisant. Maudite affaire, en tout cas. Donc, on va y aller avec un peu d'eau. Le papier a déjà commencé à gondoler, fait qu'il faut faire attention. OK, au moins, s'il n'est pas si pire. Dans le fond, il a fait des tests parce qu'il y avait des... Elle a peut-être pas le goût d'en parler. Mais s'il a fait des tests parce qu'il y avait... Moi, j'ai souvent eu des symptômes, puis j'ai rien eu. Des fois, j'ai eu peur d'avoir eu des faux positifs. Mais bon, je pense que je suis correcte. Donc, pour mon aquarelle, là, c'est sûr que je joue risqué un peu avec de l'eau parce que c'est en pente, hein, puis c'est ça. Salut Marie-Claude! Non, c'est jamais trippant. Si vous entendez miauler plus que d'habitude, c'est que comme j'ai un accouplement de chiens, mais j'ai mis mes deux mâles dans la pièce à côté d'ici. Fait que là, ils ont du fun, puis mon mâle bengale, il miaule à tabarouette. Fait que là, désolé pour ça. Ah, courbature et fièvre, OK. Mais tu sais, au moins, il n'y a pas de difficulté respiratoire. Je sais que c'est pas donné, mais tu sais, souvent, c'est ça les complications qui font pas du bien. Je vais sécher un peu. Bon, en tout cas, Caroline, on est avec toi. Si ça peut te faire plaisir de regarder un peu de bricot à soir, ça me fait plaisir de passer ce temps-là pour toi. Je peux pas trop mettre d'eau, hein? C'est très foncé. Voilà. Donc là, je vais sécher encore un petit peu. C'est lequel j'ai mis, lui, hein? Ouais. C'est des poudres de Lindy, pas Lindy, de Fabrica Décoru. Ça ressemble aux poudres Lindy. Dans le fond, ça ressemble à toutes les poudres sur le marché. C'est juste que c'est les anciens pots. Maintenant, les pots sont comme ça. Donc, maintenant, c'est juste que moi, j'ai les anciens modèles. Fait que ça se travaille de la même façon que les Magical de Lindy ou... voyons, Color Art aussi avait des petites poudres de même. Ça se travaille de la même façon. C'est sûr que je joue avec le feu, là, parce que... Je veux pas trop mettre d'eau, mais en même temps, je veux le faire jouer les couleurs, parce que je
veux que ça soit beau. Oui, c'est comme les bruchots, les toutes sortes là, toute la gang. Toute la gang, c'est un peu la même affaire. C'est des pigments en poudre qui font en sorte. Ceux-là sont pas d'effet colorisé, là, mais il y en a deux effets de couleur. Chez Fabrica, il s'appelle Wit Effect. Puis sinon, ailleurs, il y en a qui c'est écrit les Magical, puis les Flat, mettons Lindy ou des choses comme ça. C'est très rouge, hein, mon affaire. De Distress, oh, ça serait super. Fabrica, salut ma tante Linda. Fabrica Décoru, c'est ukrainien. En fait, Anne-Sophie, on peut regarder ensemble, puis j'en commande. C'est sûr que c'est ukrainien, donc là, ça bug un peu les commandes. By the way, elle est partie, les filles, celles qui attendaient, là. Je leur ai écrit, puis elle est partie. Donc, au moins, c'est bon signe. On va l'avoir peut-être pas aussi vite qu'on pensait, mais hein, maudit COVID, il nous fait retarder nos commandes. Là, je vous demande la question qui tue. Qu'est-ce que vous avez soupé? Dites-moi donc ça. Qu'est-ce que vous avez soupé à soir? C'est très foncé. Je vais être obligée de rajouter du petit gesso. Pas que j'aime pas ça, mais du gesso, hein, vous me connaissez. D'habitude, j'atténue pas. Mais là, je me permets d'atténuer. Tu peux être surprise. Surprise de quoi? Ah, oh, de la rapidité de la poste? On sait jamais. Je vais sécher ça. Poulet, c'est plus long. Oui, Canada, oui, effectivement. Mais là, juste le temps de sortir la commande était vraiment grosse, là, c'est sûr. Fait que, ils sont vraiment lents, là. Elle est partie aujourd'hui. Fait que, on va espérer que ça ne jambe pas. Puis des fois, ça dit que c'est encore en Ukraine, puis c'est rendu à Québec. Fait qu'on ne sait jamais. Ah, c'est bon, c'est avec des crudités, des œufs dans le vinaigre. Moi, j'ai mangé du poulet avec des légumes. Fait que, des choux de Bruxelles. Aimez-vous ça, les choux de Bruxelles, vous autres? Moi, j'adore ça. Mais rôtis dans le four, mettons. Là, je vais essayer d'aller voir le début. C'est bon. Je voulais voir ce que j'avais fait. Ça, c'est bon. Tofu, salade César, tofu barbecue, ouais, pas tant de choux de Bruxelles. La meilleure façon de les manger, là, c'est rôti dans le four avec sel, poivre, les huiles. J'ai l'impression de travailler chez Subway. Mais bouilli, je déteste. Fait que ça dépend vraiment tout le temps. Donc, voilà. C'est sûr que ça va gondoler. Je vais y aller avec un peu d'estampillage, puis après ça, je vais choisir. Tout était sorti, hein, mon stock de mardi. Je le sais que ça fait deux fois que je fais des créations dans mon mini-album, mais savez-vous quoi? C'est parce que j'avais hâte de le finir. C'est simplement pour ça, fait que je suis désolée. Je suis désolée. Au four que je mets ça, poulet à la grecque, ouais, je mets ça au four 300-325. Puis, c'est ça. Je mets ça. L'huile d'olive, j'ai brassé avant dans l'huile d'olive, c'est les poivres. Puis, je fais retirer ça un petit moment. Donc, j'ai rushé pour mettre le temps. Je fais retirer ça un petit moment, puis ça va bien. Ouais, je vais y aller de même. Dans ce sens-là. OK, je pensais que tu me demandais ma recette. Tu me disais comment tu le prends. Je vous avertis, gang. Oh, je suis pas très réveillée.
Bon, c'est pas la plus belle fleur que j'ai faite de ma vie, mais on va essayer d'une autre façon. Fait que là, il y en a-tu qui veulent faire le défi avec moi, se coucher de bonne heure à soir? Moi, c'est un défi qui est pas facile parce que je suis une couche tard. Qui se couche tard ici? Oh, ça marche quand je me force. Qui se couche tard ici? Je t'annonce avec mes questions, mais j'aime ça vous parler, moi. Hey, c'est silence, je pense. Mon chum a fini son Zoom. Mais en fait, je pense que c'était pas Zoom, c'était Messenger, finalement. Ça se couche tard. Moi aussi, je suis une couche tard. Fait que là, souvent, là je dis que je suis fatiguée. Puis souvent, à 9-10 heures, là, je pogne un beat de fou. Puis je suis pas couchable. Fait que là, faut que je me jase. Hey, ça fait beau de même, hein? Même pas le goût de mettre de photos, on dirait. Sont-tu belles, ces fleurs-là, des citrons? Je le sais. Ils sont plus en boutique, mais elle l'a dit hier qu'il y en avait, qu'il allait réapparaître. Tiens, toi! Je suis en feu, hein? Je suis en feu! Hey, mais pour vrai, là, tantôt, mon chum, il faisait souper, puis je caillais, mais j'accueillais le mâle pour petite vache. Fait que là, une chance est arrivée, sinon j'allais m'endormir. Ben oui, toi. Une vraie sommeilleuse. Je fais de la sommeil. Ça se dit-tu? C'est les fleurs lime citron. Elle n'en a plus en boutique présentement. Mais ça s'en vient. Là. Elle disait qu'elle attendait que l'entrepôt reparte. Parce que l'entrepôt où elle fait faire ses étampes, je crois, est comme en petite pause. Donc, bon, Cassiope voulait venir s'en mêler. Hey, c'est juste ça, ma page est finie. Sont-tu belles, ces fleurs-là? Ben non, je vais rajouter des affaires quand même, mais juste ça, je trouve que ça fait beau. On va pouvoir rajouter des photos. Ça fait différent de tout ce que j'ai fait sur l'album. Ça, c'est un étampe de Prima. Ce qui est le fun par-dessus l'aquarelle, c'est qu'on peut y aller en feu. Ça vous arrive-tu, vous autres, d'étamper beaucoup? De faire des fonds? Ouais, Cassiope est étonnant. Mais l'autre fois, voyons, c'était là, elle attendait sur le bord. Là, c'est Cassiope. Elle est là, sur le bord où mademoiselle était la dernière fois. Donc, je vais me choisir des photos. C'est sûr que je ne mets pas des chevaux. Ouais. Mais là, c'est ça. J'isole Moon demain. Petite vache est en accouplement. Écoute, ça y va. Ici, ça y va. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je l'ai déjà pris. Peut-être celle-là. Ouais. Donc. Ça manque pas de, comment je pourrais dire, d'accouplement ici. Oui, les bengales. Salut Julie, salut Amélie. Oui, c'est vraiment colleux des bengales, mais c'est épaisse, ça tire tout à terre. Ça va tout mélanger tes trucs. Je pense que j'ai choisi... Ouais.
Peut-être que je vais me sortir elle. Bon, et il me restait des papiers. Hein? Faut bien que je me coupe des petits papiers. Là, c'est vraiment la fin de cet album-là. Fait que là, au début, là, j'avais fait plein de d'ouvertures, mais c'était pas de la même façon. Fait que là, je vais essayer que ça soit beau ici, mais qu'on voit l'autre photo en dessous. Puis, je suis pas sûre que je vais prendre celle-là, mais je vais plus y aller en noir et blanc. Ouais, des Rex, c'est vraiment collé aussi, mais je trouve que des Rex, c'est plus pesse. Mais c'est sûr que le seul Rex que je connais, c'est lui à ma soeur, puis il est vraiment, mais vraiment tannant. Ouais, il est tannant. Fait que moi, je trouve que c'est pas une bonne référence. À tout ça. Mais il est adorable aussi, par exemple. Il est adorable. Ouais. Là, si, bon, si je fais ça, ça va être correct. Je suis une petite rapide. Fait que là, hey, mon album va être terminé après ça. Je saurais plus quoi faire. Non, j'ai plein d'autres affaires, vous me connaissez. Vous me connaissez que je vais savoir quoi faire par la suite. Je vais me couper un petit bout de celle-là. Et là, ce qui est le fun, c'est que je peux m'amuser avec beaucoup de trucs. Cassiopée veut vous parler. Salut Marie-Ève! Salut Sarah! Ah, mais si, tu vois, peut-être que parce que... Mais pourtant, tu as des enfants, Sophie. Ma soeur, elle a des enfants, puis je trouve que son chat, il est vraiment tannant. Mais ça, c'est... C'est moi. Le dernier, me suivent partout, mais oui, jette des choses par terre. Ouais, mais mes Maine Coons aussi, ils jettent tout par terre. Faut que... On s'habitue au chat tannant. Oups. Le dernier live, j'avais... Salut Isabelle. J'avais un... Quelqu'un qui voulait de la colle. Puis j'ai comme égaré... c'était qui? J'ai comme égaré c'était qui, donc n'hésite pas à m'écrire après. Ouais, hein? J'étais sûre qu'il y avait du bengal dans ton chat. Ouais, mais il y a un petit peu de bengal dedans. En tout cas, dans ce que j'ai vu, là, mais écoute, j'ai pas la science infuse des chats, mais j'aime bien les bengales. Donc, voilà. Mais tu sais, il existe plein de bengales, puis de gens qui pensent qu'ils ont des bengales, puis ils en ont pas. Fait que, c'est ça. Je vais me faire des pointillés. Je suis beurrée de colle pour savoir où arrêter à l'intérieur. C'est un de mes trucs que je fais, surtout quand je fais des rabats comme ça. Puis comme l'album, j'ai fait énormément de pointillés, mais ça paraît pas, là. C'est souvent dans mon doodling. Mais moi, je le sais que la page arrête là. Oui, il est vraiment beau. Oui, je vais avoir des bébés bengal, Maine Coon, chien. Fait que finalement, je peux bien brûler. Je pense que c'est moi qui vais se placer à la place de mes clients sur la table à massage. Bon, aujourd'hui, c'est vous qui me massez. Ça serait bon, ça, hein? Maudite bonne idée. J'ai donc bien des bonnes idées dans les lives. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, ça? Mon, je l'isole en fin de semaine. Fait que je sais pas si... Mais elle en a max 2. Parce qu'elle est vraiment pas grosse. Mais comme c'est... Oh, regardez, c'est beau, hein? C'est beau, avez-vous vu? Belle erreur de débutante. Il était magnifique. Il était pas sec. Colin! Pour ne pas dire... Oups!
ça. Bon. C'est un effet aquarellable que j'ai fait. Non, Colin. J'ai manqué mon coup. Je vais le refaire après. Je vais faire attention de l'autre côté. Hein. Belle petite erreur de débutant. J'ai pas pensé. Je me suis dit, ah, c'est prêt. C'est fait. Mais non, la Versafine est plus longue à sécher. Désolée. Bon. Fait qu'on va recommencer. Ça se peut bien que le live dure jusqu'à minuit, finalement, si je fais juste des erreurs de même. C'est celle-là, hein? Non. C'est celle-là. Puis celle-là, c'est celle-là. Puis ça, comme ça. Bon, hein? On peut faire des... On peut faire des erreurs, mais c'est pas si pire, hein? Fait que ça paraît plus... Ça paraît plus... Je vais sécher un petit peu avant de m'amuser à mettre des die-cuts. Désolée pour cette perte de temps. Hein, ça a-tu fait de la chenoute, ici? Je vais refaire l'autre bord, tant qu'être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Au moins, j'ai pas beurré là. Bon, alors la morale de cette histoire, quand Cindy est fatiguée, bonne chance. Ouais, je sais, il faut que je me couche tôt, salut Vicky. Mais parti comme c'est là, hein? J'ai de la partie à vous faire un live de 10 heures. En tout cas, c'était plus beau au début. Je vais mettre ça de côté. Je vais sécher un petit peu. Salut, Chaëlle! Donc, ça fait beau pareil, là, mais ça fait moins beau, hein? Ça fait moins beau. Moins beau. Fait que là, je vais mettre un petit peu de die-cut dans celle-là. Pour mettre ça plus beau. Je suis loin hein, avec ça, mais... Ouch! Là, je suis... Désolée, mon chat vient de m'attaquer solide. Voilà. Puis... Est-ce qu'on y met un petit papillon ou pas? Je pense que non. Je pense que je vais y mettre une petite feuille. Voilà. Ça a de l'allure comme ça. C'est pas trop pire. On va pouvoir aller travailler là-dedans. Puis de ce bord-là. Puis ici aussi, je vais pouvoir aller faire... Je vais faire un endo ici comme ça. Ça va être déjà... Non, je vais la faire à la fin. Je vais la faire à la fin. Bon, finalement, là, je vous le dis, ça se peut que je sois drôle la soirée. Ça, c'est un petit cœur. Fait qu'il faut que ça fitte quand on... En fait, il faut tout fitte. Tiens. Celle-là va être là. Fait qu'à l'intérieur, je peux y mettre une belle fleur de même. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a de l'allure. Salut Lynn! Salut Brigitte! Donc, les filles qui viennent d'arriver, je finis mon album que vous avez vu depuis un bon bout.
Et mon chat défait tout à grandeur. En arrière pendant ce temps-là. Il me reste plus grand petit papier, hein? J'ai écoulé mon stock en four. C'est bon signe. C'est ça quand on arrive à la fin d'un album. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui ont hâte au prochain week-end de quelque chose? Pensez-vous qu'on va en avoir en 2021 ou en 2020? Pas sûr, mais en 2020, hein? On pourrait avoir... Mickey Rowe et les hôtels, on pourrait faire un week-end, tout le monde dans leur chambre, à scraper sur Internet. Ce serait une bonne idée, ça. Mais ce serait un petit peu de l'argent, évidemment. Tout aussi bien scraper chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pas jaseuse? Donc, là, je m'amuse, hein, j'avais fait des pointillés, fait que là, je le mets aux alentours de, pour que ça paraisse pas trop. Puis qu'on ait du plaisir à mettre notre création. Là, vous riez de moi quand je coupe des petits bouts, là, mais... Un crop, oui, des crops en ligne. Mais tu sais, un week-end, là, où est-ce qu'on décroche là, ça? On a hâte en tabarouette. En tout cas, moi, j'ai hâte. Je pense que je suis supposée en avoir un en septembre avec des amis. Je sais pas si ça va être annulé, hein? Ça se pourrait bien que oui. Voilà. Ça serait le fun. Le format bizarre. Ouais. Ouais, effectivement, que les crops en ligne, on manque pas de stock. T'as raison, Lise. C'est ça, c'est Lise. Non, c'est Joanne. Bon, ça y est, c'est parti. Je mélange Lise et Joanne. Pauvres autres. Pouvez-vous me dire d'arrêter de me mettre les mains dessus? T'as envie de pogner les nerfs après mes propres erreurs. Ça sèche pas vite, hein? Donc, si on place la photo ici. J'ai pas fait de point jusque-là. Petite comique, moi, hein? Moi et Bel Oeil. Là, je m'accote sa photo, parce que ça devrait être pas fait. Parce que je veux pas que vous me voyez la tête. Non. Fait qu'on va t'y aller ici. Comme ça. Je fais du trichage, hein? Vu que ma page va être là, je peux coller ma page. Phew! Chance que vous êtes amis. Imagine si vous seriez des ennemis. Que je mélangerais vos noms. Et là, je manquerais de... Je serais ordinaire, hein? Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'ennemis en scrap. Ben oui, peut-être. Bon, passons mes commentaires insignifiants. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le moment. Voilà, c'est vrai, j'avais des petites lignes de même.
qui peuvent être intéressantes à placer. Oui, il y en a plein à Montréal. Là, c'est ça, art et passion sont... Je sais pas, Sylvie, elle reste où, hein, maintenant? Parce qu'avant, elle faisait ses crops proche de Laval. Je sais pas si, présentement, elle est encore dans ce coin-là. Je vais coller le reste après. Je vais mettre une coupe de die-cut pour m'amuser. Je vais attendre que ça sèche pour faire l'autre bord. Ah! Voilà, c'est pas plaisant, la vie! Ah oui, fait que crème, oui, c'est une bonne idée. Mais il y en a des crops à Montréal. Il y en a en masse, mais ça. Moi, j'ai hâte, en tout cas, d'aller à Montréal, mais en ce moment, vous êtes un petit peu plus infectés, mettons. Fait qu'on fait attention. Elle est faible et ville encore, hein? OK, bon. Elle les faisait là, mais sa boutique était à Laval, mais elle, je sais pas, elle était rendue où? Parce qu'elle a déménagé, je crois. J'aimais bien aller à cette crop-là, moi. J'aimais bien. Là, je me lance là, dans les die-cut en masse parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis... Oups, c'est pas par là. J'en ai beaucoup, puis c'est les dernières pages, hein, fait que je peux y aller. Ça sera pas si pire. C'est une bonne façon, quand on fait des albums, de finir nos die-cuts à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a-tu l'allure? Crop en ligne, en fait, d'habitude, c'est qu'on publie la page en ligne. Là, on a telle date, tel jour pour finir, puis on le place là. Un peu comme le tournoi Les Mistrans en ce moment, qui fonctionne. Mm-hmm. Donc, ça ressemble un peu à ça, les crop en ligne. Bon, qu'est-ce qu'on fait par là? Hey. Mon chum écrit en arrière. Je suis désolée, l'entendez-vous trop? J'espère que non. En tout cas. Ça. On va venir coller ça là. Oui, Scrapbook Art et Passion, c'est ceux-là. Moi, j'y allais souvent. Il fut un temps. J'ai même été d'été là, c'est vrai. Bon, je sais pas quoi qu'il parle. Je pense qu'il parle de... Ben, il y a le tournoi Les Mistrons en ligne en ce moment, mais sinon, c'est ça. C'est bien ça. Donc... Peux-tu dire à mon chum de parler moins fort, vous pensez? Là, j'ai de la misère à travailler ça parce que ça vient pas à bout de sécher. Faudrait que je la cote, que je colle, mais là, ça vient pas à bout de sécher, fait que je vais finaliser ça tantôt. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller de l'autre côté. Oui, et le tournoi Les Mistrans, c'est juste magique. Moi, j'adore ça. J'ai juste hâte de faire le prochain défi. Là, je ne l'ai juste pas encore fait. Mais c'est vraiment un de mes tournois préférés. Ça faisait longtemps que je n'avais pas participé depuis que je n'étais plus d'été, je pense. Mais en fait, j'avais comme slacké un peu les participations à peu près de toutes. Mais là, je m'amuse depuis le confinement. En fait,
Oui, merci Brigitte de m'encourager dans mes gaffes. En fait, je pense pas que tu es obligée de faire tous les défis si c'est pour le fun, mais si tu veux gagner, je pense que oui, tous les défis vont compter parce que c'est. Voyons, c'est des points de participation, hein, les Mistrons, donc plus t'en fais, plus tu as des points de participation. Il y a des points de beauté aussi, mais c'est souvent si les choses sont dessus, si tout est là, si ça va bien. C'est souvent plus de participation. Parce que le but du tournoi, c'est d'avoir du fun. Salut Sonia! Mais là, t'es en feu. Je t'en fais de quoi? De création? Pourtant, non. Je me trouve mollo. Mais bon. C'est moi, là. C'est moi. Hein? Je me trouve mollo. Je me trouve mollo, mais pas trop quand même. OK, merci. Merci Joël de me traduire le tout. J'ai vraiment un problème de TDAH aujourd'hui intense, là. Je m'en excuse d'avance. Si c'est trop long pour vous de m'entendre. Je fais deux choses en même temps. J'ai le goût de... Même... Non. Oui, c'est l'album que j'ai fini aujourd'hui, Sonia. Ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus. Puis je l'ai fait mardi. C'est ce mardi que j'ai fait un live. Puis, au lieu de changer et de tout enlever mes trucs, ben je me suis dit que j'allais finir l'album. Comme ça, ça allait être fait. Parce que ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus. Puis, c'est ça. Et là, pensez-vous, avec le déconfinement, je peux commencer à recommencer à monter des cours ou non? Je pense que j'ai pas le droit, hein? Oui, 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 c'est vrai. Merci, Émilie. Il y a des tirages de participation chez les Mistrons, effectivement. En fait, le but, c'est pas de... Il y en a qui le font pour gagner, mais il y en a qui le font pour participer. Fait que à vous de choisir dans quelle catégorie vous êtes. Moi, je suis dans la catégorie participation. Parce que c'est ça. J'ai pas le goût d'être en compétition. Dans vie, là, je n'ai fait assez de la compétition. Bon, je suis en train de me beurrer même, là. Je veux comme que. Ouais, sérieux, vous entendez-vous en arrière? Ils sont en train de s'assiner, là. Écoute, il est fini, moi, enfin, il est terminé. Mais toi, t'as eu le temps de voyager. C'est génial, là. Là, je m'amuse à mettre des die-cuts. C'est plaisant de faire tout ça. Après ça, là, cette colle-là, là, elle est magnifique. Pour ça, elle colle vraiment rapidement, mais elle se redéplace aussi rapidement. Regardez. Fait que là, je peux venir jouer. Le petit chien que j'ai recueilli ce soir, je pense qu'il est en train de pleurer dans le garage. Pour du cas. Il est dans le garage durant mon live. Je vais le ressortir tout de suite après. Inquiétez-vous pas. C'est que je vais être là quand il va faire l'accouplement. Puis de toute manière, elle n'était pas prête tantôt. Je n'ai pas un talent hors compétition. Là. Voyons. Vous allez voir, là, je ne serai même pas dans les top 5 du tournoi Limstrong. Inquiétez-vous pas. Le premier défi, j'ai oublié l'indice. Tu sais, il n'y a pas de stress. Mon chum pense qu'il sait pas que je fais un live. En tout cas, il crie en arrière, désolé. Ah, un petit peu de die-cut ici. On essaie-tu de pas tout s'agrater? En tout cas. Fait que, non, c'est ça que, excuse, hein, je suis du coq à l'âne, Amélie, mais je suis sûre que je serai même pas dans les tops.
Fait que no stress avec moi, ne vous inquiétez pas, je ne vous volerai pas la place de Lime Citron. J'étais en chicane avec Lime Citron, non, c'est pas vrai. Tu sais, partir des rumeurs, là, je serais bonne là-dedans. Juste pour niaiser. J'ai aucunement chicane, était sur le live mardi. Fait que... Puis, c'est ça. Fait que je pense pas être en chicane avec Yannick. Trouvez-vous que mes rumeurs sont belles? C'est drôle, là! C'est drôle, mes petites niaiseries! En tout cas, moi, je trouve ça drôle. Si vous trouvez pas ça drôle, vous entendez pas à rire. Imagine, hein? Une chicane avec Yannick. Ça fait trop longtemps que je le connais. Mais une chicane avec Sonia Bluto. Ça serait sûr. C'est pas vrai. Ah, je me trouve drôle. Ok. J'arrête. Bon, qu'est-ce qu'on met ici, là, pour que ça soit beau? Pas d'autres photos. Je vais mettre un petit quelque chose de beau, mais il me reste plus de titre. Il me reste... Ah, oh, peut-être j'ai une idée. Tant qu'à... Tant qu'à être fofolle, là. Une chicane? Oui, c'est les die-cuts que tu avais. C'est ce que tu avais dans le kit. Qu'est-ce que tu voudrais voir? Une chicane avec moi puis Yannick? Non. Yannick n'est pas chicaneuse, pas pour deux scènes. Puis, moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que de me chicaner. Avec elle. J'aime bien mieux me chicaner avec Sonia. Oh, celle-ci n'a pas fonctionné. Ben, coudonc, elle veut pas estampiller. C'est pas grave, j'ai confiance. C'est voulu que ça marche pas. Concentré quand j'attends. Ah bon, oui, je me chicane pas avec personne. J'ai d'autres choses à faire que me chicaner dans la vie. J'ai assez de gérer la chicane à l'école, au foyer. Écoute, hein, ça s'entretue à mon foyer quasiment. Fait que j'ai d'autres choses à faire. Bon, j'étais un peu fantasme avec mes doigts. Let's go, pas grave. Ah ah! Ça fait quand même beau, hein? Ah, des fois, j'ai des bonnes idées. Bon, lance-toi pas trop de fleurs, la vieille. Salut, Dominique! Bon, là, mon chum, c'est bizarre. Il fait du kung-fu avec sa gang. Puis là, il dit, la main qui aspire ressemble à la main qui recule. Fait que là, c'est un peu biz, trouvez-vous? Savez-vous, c'est quel truc qui parle? Fouillez-moi quelqu'un. Bon. Est-ce que j'ai le goût de me lâcher loose dans les fleurs? Pour camoufler. Camoufler mon truc. Que ça soit beau de même, là. Je vais-tu avoir fini mon album, gang? Ce serait beau de même. Ouais. Qu'est-ce que tu... Hey, j'en remets jamais des étampes, pour vrai. Ben, honnêtement, là. Souvent, dans mes pages, j'en mets moins. C'est un peu pour ça que j'avais quitté la DT, Lime Citron. Ben, c'est pas pour ça que j'ai quitté, mais en fait, je voulais quitter toutes mes DT.
Mais des fois, je trouvais que j'étais comme un imposteur de la DT parce que je trouve pas que j'utilise assez d'étampes dans mon bricot, dans mon scrap. Fait que tu vois, c'est drôle que tu dises ça, Anne-Sophie. Mais c'est sûr que dans l'album, j'en ai mis quand même pas mal. J'en ai mis pas mal. Non. C'est quand même. J'aime bien ça, ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, il manque peut-être un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. Je vais essayer de trouver une inspiration là-dedans. Merci, c'est gentil. Écoute, l'album, là, je sais pas, je vais le donner à qui, je vais l'acheter. J'arrête pas de dire que je jette tout. Mais oui, je jette souvent tout. Mais bon. Il manque un petit quelque chose, fait que je vais faire du crayonnage. J'aurais pu le faire avant. Ça aurait été une bonne idée. Ça aurait été plus beau. Celle-là aussi, je vais y mettre des petits dots à la fin. C'est juste que je vais choisir où je les mets. Parce que, vu qu'ils se ferment, qu'ils se rouvrent. Et ça a-tu séché, là? Ben non. Hein, fait que ça va être le fun à photographier ça. S'il vient pas à bout de sécher, fait qu'il. Ici, c'est pas super. Je pense que je suis hors caméra en plus. Je sais pas, hein? Moi, non, presque. J'étais partie, moi, là, dans mon crayonnage. Non, non, je sais, c'était pas une critique, Anne-Sophie. C'est juste que je trouve ça drôle parce que j'utilise pas beaucoup. Écoute, j'espère que j'ai pas répondu comme si j'étais offusquée. Pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà qui ressemblerait à la fin de cet album. Je suis quasiment émue. Je suis quasiment émue. Les filles, êtes-vous émues? Ou vous êtes vraiment contentes de voir enfin la fin? Je pensais qu'on me voyait pas, mais écoute, la caméra est grosse, hein? Écoute. Ouais, c'est ça qui me manquait. Des petits doodlings. Des petits points. Je vais m'amuser à faire ça. Moi, j'en mets tant trois. J'ai dû avoir un toc de petits points. Là, encore une fois, ces dots-là sont géniales. Quand on les utilise pas souvent, ils se bouchent, mais ils se débouchent rapidement. Puis, ça sèche 1 à 2 heures, hein? C'est pas instantané. Oui, je vais le montrer après. Oui, effectivement, mais là, il est fini, là, hein? Ton tien devrait être fini, belle chupette. Ouais, ça dure. Excusez, mon TDA, il est là en fer. Je suis H à soir parce que je suis ultra, ultra fatiguée. Fait que pour une fois, mon défi, je vais réussir à l'avoir. Mais en fait, non, je le réussis depuis le début, là. On est à jour 4. Ouais, j'ai manqué ma gouttelette. Elle était plus liquide. À date, ça va. Salut France! Oui, je vais vous le montrer du début. Par contre, je peux comme pas le fermer à quoi j'ai mis ça. Je vais essayer de d'y aller. Puis en plus, j'ai mis un dans le crack. Bonne idée. En tout cas. Bon, bref, la couverture, vous l'avez déjà vue. C'est pas grave, sinon j'arrangerai pour les photos. Alors, voici le début. Comme ça. Voilà. On a commencé ça quand? Ça fait un petit bout. Mais à chaque fois que je donnais un cours, je faisais une page en même temps que les filles. Puis, ça fait quand même un petit bout, là. Peut-être mois de mars, l'année passée. C'est peut-être un an, là. Je suis pas vite. Pas vite, vite. Voilà. Tu sais, souvent, c'est comme des suites. Je me suis amusée à faire des rabats. C'est quand même, les albums que je montrais, là, sont à 16 et 75, mais il y a beaucoup de pages, hein? Donc, c'est long à remplir. Il y en a peut-être 22 ou 24. Donc, voilà, je vais-tu trop vite, les filles, pour le montrer?
Fait que, tu sais, je me suis amusée vraiment, j'aimais bien, là. Ça, c'est celle-là qu'on a faite mardi. Puis ça, celle-là, aujourd'hui, la fin. Oups! J'aurais pas dû faire ça. Puis, ça non plus. Puis, la fin, elle est là. Puis, la couverture, ben, vous l'avez tous déjà vue, mais je peux essayer de la montrer sans trop beurrer. Voilà. Donc, c'est sûr que, comme je disais, là, les albums, ils viennent avec, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages à l'intérieur. Plus, tu sais, c'est sûr que c'est les endos. Fait que c'est 22. Moi, j'avais pris un paquet 12-12, deux paquets 12-12, un paquet 8-8 pour le faire de la même collection. Vous pourriez prendre deux paquets 12-12, c'est à vous, là. Devoir, j'avais pris... comme trois, une affaire de, tu sais, les affaires de bois qui fitaient avec. Après ça, j'ai pris un paquet de die-cut, puis des étampes. Fait que, tu sais, c'est pas un album qui coûtait ultra, ben. En fait, oui, le dessus coûtait un petit peu plus cher, mais tu sais, de matériel, ça coûte cher, mais c'est le fun à faire parce que tout fit ensemble, puis tu peux t'amuser vraiment. Il n'y a pas une page pareille. Fait que j'ai vraiment adoré le faire. C'est ça. Fait que... peut-être que je vais faire un live demain, peut-être pas. Ça dépend comment va mon accouplement. Si je le fais demain, je vais peut-être en faire un dimanche, mais pour ça, j'en fais un dimanche soir vers 7h30. Sinon, peut-être demain, ça dépend. Là, si j'ai le goût de boire un petit verre de vino ou quoi que ce soit, je suis en congé samedi, ça dépend comment va mon accouplement puis comment vont mes chattes qui vont accoucher. Fait que, sous toute réserve, demain, sinon, c'est sûr, dimanche soir que je fais un... oui, c'est le fun de s'en monter un soi-même, Amélie. Effectivement, je veux en faire un avec du tissu et des rembourrages, là. C'est bientôt dans ma liste de choses à faire. donc, c'est ça. Fait que si vous êtes là vendredi, c'est super. Si vous êtes là dimanche, c'est encore mieux. Ben, c'est sûr que je vais être là. Fait que ça me fait plaisir d'être avec vous. Puis un gros merci d'avoir été là. Ah, oh, oui, ça se fait super bien. Salut, là. Puis Anne-Sophie, faut se parler pour ton prix. Bye, bye!